Alors là, c'est un pad Neo Geo qui était d'origine pour la console Neo Geo CD que je viens de nettoyer, qui est nickel. Hein. C'est rare d'en avoir des aussi parfaits. Il est état neuf, je dirais. Il y a vraiment, il n'y a pas une rayure. Il est nickel. Évidemment, il y a toutes les vis. C'est un peu brillant, c'est parce qu'il reste un peu de la sexe dessus, mais il est absolument parfait, quoi. Je veux dire, j'ai pas vu de défaut. Alors bon, alors peut-être avec un microscope. Mais en tous les cas, il est vraiment superbe. Donc je l'ai branché comme d'habitude au port numéro 2. Donc on va lancer. Oh ben ça y est. Ok, donc on regarde. Donc j'appuie sur les boutons. Donc premier bouton, ça marche, ça marche, ça marche. Ces pads sont relativement fragiles. Donc en général, ce qui foire, c'est au niveau du pad directionnel. Alors là, on écoute. Je sais pas si on entendra avec le son. Voilà, je sais pas si on entend. Il fait un très bon bruit. Alors on regarde. On va en haut, on va en bas, on va à droite, on va à gauche, on fait les diagonales. Voilà, encore une autre. Voilà, j'ai pas testé Start et Select. Voilà, il marche parfaitement bien. Il est dans un état cosmétique proche du neuf, hein. On dirait qu'il sort du magasin ou de l'usine. Voilà, donc c'est un pad. La suite des enchères sur eBay, j'ai deux pseudos en ce moment, Scalex 58 ou Brossard 8. Vous regardez. Puis s'il y a des choses qui vous intéressent, bien entendu, je fais des. Je les envoie groupés. Voilà. Merci beaucoup et bonnes enchères.